Bonjour chers motonautes, voici une nouvelle Smart Vidéo en direct de notre essai. Un essai un peu spécial aujourd'hui puisque nous sommes au Japon, à Kyoto, pour découvrir une nouvelle Suzuki. C'est la Katana. 38 ans après, elle réapparaît au catalogue de la firme d'Amamatsu. Cette nouvelle Katana est basée sur le Maxi Roadster que l'on connaît hein, et que l'on apprécie beaucoup chez Motonet, le J6S 1000. Donc cette nouveauté 2019 reprend le bloc moteur, 999 cm3, 150 chevaux, 108 Nm, un anti-patinage paramétrable sur 3 niveaux, il est déconnectable également. Il a l'ABS puisque c'est obligatoire en Europe. Au niveau de la partie cycle justement, alors il y a quelques modifications qui ont été apportées selon les ingénieurs japonais en termes de suspension pour s'accorder au mieux possible à cette nouvelle moto qui a un équilibrage légèrement différent, mais en termes de cadre alu, bras oscillants de l'ancienne GSX-R, le freinage également hérité de l'ancienne GEX avec ses étriers Brembo 4 pistons à l'avant. Tout ça c'est du connu, c'est du fiable et c'est de l'apprécier. Différence de taille également au niveau du design puisque cette Suzuki Katana intègre pour la première fois pour la marque un support de plaque déporté. Alors côté gauche c'est un peu brut, un peu plastique, un peu massif, mais c'est vrai que ça dégage la partie arrière qui est très courte, assez trapue avec un feu rouge inédit qui donne une image vraiment différenciée de cette nouveauté. On voit là le réservoir qui ne fait que 12 litres. Alors il est très compact, il est très joli, mais c'est vrai qu'en niveau autonomie ça risque d'être un peu court. Et puis l'autre nouveauté également sur cette moto, c'est l'écran. Un écran LCD qui n'est pas couleur, mais qui est très très complet et que l'on commande directement via les Komodo. On écoute le moteur. Le bloc de 1000 cm3 a été très bien travaillé hein, par les ingénieurs japonais. Que ce soit l'admission à l'échappement, ça chante toujours aussi bien.